Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Pouvez-vous le croire? Mes commandes Chine commencent à arriver. C'est pas grave, j'ai assez de linge. Mais j'aime bien vous faire un petit haul Shein mensuellement ou plus, si affinité. Et si ce sont des vidéos qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Ça n'est pas du tout un partenariat, j'achète mes affaires moi-même. Et je sais pas, c'est une boutique qui me plaît bien. Alors bon, vite fait comme ça, je vais juste parler de la base. Les vêtements, il y a une section curve, taille plus. Je vous invite à mesurer vos vêtements. Ne vous fiez pas à la taille qui est écrite dessus. Par contre, fiez-vous aux mesures qu'ils ont écrites à côté des vêtements. C'est ça qui est très plus précis. Donc ne vous fiez pas genre à un X égale telle taille. Ça ne marche pas comme ça. Aussi, vous allez trouver peu de vêtements en coton ou un truc comme ça. Si vous passez à côté d'une flamme, il se peut que vous partiez en feu. Tout est en polyester, stretch, viscose et tous les trucs qui respirent pas l'été, hein. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien changer souvent, j'aime bien avoir des options, parce que je sais que, enfin, je sais personnellement, taille plus, ça coûte toujours plus cher, et avoir des pièces un petit peu plus mode, entre guillemets, c'est plus difficile à trouver et tout, donc moi je trouve mon bonheur là, chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là pour juger, vous n'êtes pas là pour juger, et... Ah oui, pour ceux qui me demandent, tu pourrais mettre les prix? Je vous invite à consulter les liens de chaque article que je prends la peine d'aller chercher. En plus, donc tout est dans la barre d'infos, je marque genre t-shirt blanc à petits pois le lien. Tu cliques dessus, tu as toutes les informations. Et si ça n'arrive pas sur ton pays, ça va t'envoyer sur ton pays normalement. Voilà. Soyons autonomes. Et c'est parti. Donc je commence par ce petit t-shirt. Vous allez voir genre longueur, je sais plus quelle taille j'ai pris. Je pense que j'ai pris la plus grande taille. Ok, c'est très rare que j'achète des vêtements blancs parce que je me maquille tous les jours. Donc le blanc ne reste pas souvent. En plus de ça, Pierre Richard prend le contrôle de mon corps à chaque fois. Donc il ne se passe pas une journée où je ne ferai pas une tache de pigments, de gras, de vinaigrette, déodorant. Vous connaissez l'histoire? Bon bref. C'est un t-shirt très confortable, je vous suggère d'avoir, à votre convenance, hein, des sous-vêtements qui vont pas trop marquer parce que transparent. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs, c'est un col un peu qui se veut col roulé mais qui n'est pas col roulé sur moi tout du moins. Enfin, j'aime bien la coupe, je trouve ça sympa, je trouve que ça change, c'est quelque chose que j'avais pas. Et c'est une manche très courte. Pour le coup, c'est fait bizarre. Mais écoute, ça ne me dérange pas. Cette année, j'ai décidé que je sortais plus mes bras parce que l'autre fois, je suis restée au soleil, je sais pas, 20 minutes. Peau de roux, j'ai cramé genre en 20 minutes. Sonia va détester ce que je vais dire, mais des fois, il faut que la peau s'habitue quand on veut partir en vacances. Voilà, donc c'était ça. Ensuite, je vais parler de ce deuxième top. C'est un top... noir fleuri avec un col qui se veut Mao je pense ou quelque chose. Alors le bouton marche, c'est pas condamné, donc vous pouvez l'ouvrir et le fermer comme à votre convenance. Moi je l'ai enfilé par la tête, hein, je vous mentirai pas. C'est du 100% nylon, je sais pas, flammable. Attends, 95% polyester, ok. J'aime bien l'imprimé, j'aime bien la coupe, j'avais pas quelque chose qui ressemblait à ça, je trouvais que c'était original. C'est surtout, ok, il faut que je vous dise un secret, c'est surtout parce que quand je filme des vidéos, j'aime bien avoir un top original, tu vois. Je m'en fous de ce que je porte en bas, en général c'est un legging ou un pyjama. Mais en haut, c'est sympa, en haut ça peut être plus fancy, ça donne des ambiances à mes vidéos et tout. Ça c'est mes propres raisons, ok. Vous achetez vos vêtements pour ce que vous voulez. Mais du coup j'ai bien aimé ce top. Et quand je l'ai vu je me suis dit mais je vais jamais rentrer dedans. J'ai pris 3 XL. Mais c'est bon, je rentre dedans, je sais pas, je me suis sous-estimée. Aussi il faut que vous sachiez, je fais 1m55. Les vêtements sont très courts chez Shein. Soyez avertis. Moi ça va, mais sur vous je sais pas si ça va aller. Ensuite j'ai pris une robe blanche. Alors, elle est en deux parties. C'est très transparent. Je pense que même dans
vous allez peut-être avoir un petit glimpse de ma culotte foncée dans le petit clip, parce que j'ai eu la bonne idée de mettre une culotte grise ou noire, ou, enfin du noir qui est rendu gris, je sais pas. Donc ça vient en deux morceaux, ça vient avec la camisole, la robe camisole ajustable, très appréciante, très transparente, hein, je pense qu'on me voit au travers, enfin moi je vois l'écran tout du moins, donc je sais pas, oui, voilà, on se voit. Je sais pas si existe encore des jupons ou alors des culottes belges aussi, ça peut faire. À porter avec. C'est pas très bien coupé la doublure, je vous dirais. C'est pas genre, c'est pas top top, genre pas top confort et tout, mais bon, ça s'ajuste. C'est à l'intérieur parce que par dessus, de toute façon, il y a un truc à motif. Genre, on voit pas la doublure. Hein. Ça, c'est ce qu'on met par dessus. C'est une espèce de robe en. C'est une robe en espèce de dentelle, je sais pas, quelque chose. Et c'est un taille empire. Pour moi, ça serait plus joli, je pense, avec une ceinture que sans ceinture. Juste histoire de pas être une boîte. Mais j'aime bien le fini. Et je dis à Mathieu, il nous manque des invitations à des mariages. Bon, ça sera pas cette année, mais en plus de ça, ça serait la robe parfaite pour aller à un garden party de Charlotte Tilbury. Si tu comprends le. De quoi je fais référence. Mais bon bref, j'aimais bien, je trouvais ça cute et par contre c'est pas de la dentelle souple et légère, c'est de la dentelle amidonnée un petit peu on dirait. Hein. Mais c'est pas grave, c'est un look et c'est quelque chose que j'avais pas, que j'aime beaucoup et que comme je porte pas de blanc, ben, je trouvais que ça m'allait sympa autant. Ça fait sortir ma vraie couleur. Pour une fois que je matche ma tête et mon corps, ça va. Hein. Et puis j'ai trouvé cette robe super sexy. Ils ont plusieurs couleurs. J'ai pris la couleur blush, blush nude. Autant vous dire qu'il faut que je porte pas de, enfin il faut que je porte un soutien-gorge sans bretelles avec. Je trouve que c'est plus flatteur pour moi parce que les bretelles c'est des bretelles spaghetti et ils sont pas ajustables. Il faudrait peut-être que je fasse une petite retouche ici, un petit point pour rendre la bretelle un peu plus ajustée pour pas que tu sais j'ai. Tu comprends par l'image. Mais j'aime beaucoup beaucoup la robe. Ils ont plusieurs couleurs. Je pense qu'elle coûte comme une quinzaine de dollars canadiens. Ça doit être à peu près 10 ou 12 euros. Ok. Donc je la trouve très jolie, très sexy, super légère. J'aime beaucoup cette matière. J'aime beaucoup le drapé en avant qui met en valeur. Qui met pas en valeur, mais qui épouse bien ma morphologie, je trouve. Je me suis trouvée très jolie et très sexy en cette robe, c'est tout ce qui compte. Après ça, c'est chacun son truc, mais moi, je l'ai trouvée très sympatoche. Et voilà. Ensuite, j'ai des accessoires. Je les ai divisés en deux. Vous savez, Passion Headbands. Celle-là, j'avais acheté ça aussi il y a plusieurs années. Mais là, du coup, j'en ai acheté 4 nouveaux. J'ai acheté ce duo. Ça se vendait par deux. Comment aurais-je pu résister à un duo de headband or et argent? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut les essayer? Absolument. Oh, mon cerveau respire. Attends. Oh, c'est de toute beauté. J'adore les headbands, vous le savez. Je suis contente d'en avoir plus. En plus, j'ai l'impression que c'est le genre d'accessoires que je pourrais garder à long terme, peu importe même si je vieillis. on se rappellera hein. 40 ans. Mais je trouve que ça va bien avec les cheveux, ça a toujours l'air d'un foulard qui a été noué. Ça se démotte pas, j'ai l'impression, donc je pourrais garder ça. Et j'ai pris aussi ce motif feuille. Palmier tropical et celui-ci qui me fait penser ambiance blé blanche de la France et tout ça. Je peux me recadrer, hein, il n'y a plus d'autres try-on. Si tu veux partir, ça va me vexer un peu quand même. Mais voilà, je trouvais que ça faisait très genre Cannes, Riviera, Tommy Hilfiger, Prep, tout ce que je ne suis pas, tu vois. C'est beau, j'aime bien. Hein. Trop sympa, j'adore ces couleurs. Ensuite, j'ai pris un bracelet. Qui suis-je? Alors, il y a un truc que vous devez savoir avec moi et les bracelets, c'est que je déteste les bracelets avec les fermants mousquetons. Premièrement, j'arrive jamais à les ouvrir, à les fermer. Je n'arrive pas à être autonome avec
avec cette technologie. Donc si j'achète un bracelet, il faut qu'il y ait le fermoir soit qui glisse, soit c'est un espèce de nœud, quelque chose qui glisse. Et là j'ai trouvé un bracelet style bracelet brésilien sympatoche, avec motif chaînette et petit pendentif Evil Eye, comme je l'aime beaucoup, et il est trouvé très beau. J'ai trouvé des créoles. Alors franchement, je pensais qu'elles allaient être plus grandes, c'était dur à dire, il n'y avait pas de mannequin ni rien, et j'ai pas lu les mesures. C'est de ma faute, mais j'aime toujours avoir des anneaux dorés à disposition parce que je trouve que ça va avec tout. Donc j'ai une petite boîte de boucles d'oreilles juste en bas ici, dans ma coiffeuse. Les jours où mes boucles d'oreilles que j'ai sorties vont pas avec ce que j'ai mis, je mets toujours soit des anneaux dorés, des anneaux argentés ou des trucs comme ça, et ça va rentrer dans la petite boîte. C'est une espèce de créole et un motif chêne. J'aime bien parce qu'ils sont très brillants en fait. Ceux-là, je sais pas, ils avaient l'air beaucoup plus, ils ont l'air beaucoup plus chic que leur prix, genre. Des fois on a des surprises comme ça sur Shein, tu te dis mais c'est pas possible que ça coûte que 6$, c'est trop beau. Après qui suis-je, mais c'est des boucles d'oreilles corail comme ça, je vais les tenir comme ça. Et en haut il y a une espèce de faux turquoise et ça fait une branche de corail. Je trouvais ça vraiment super joli, mais ça a l'air vraiment qualitatif. J'ai l'impression que c'est qualitatif, ok. Laissez-moi rêver. Bon, un côté il y a du doré, l'autre côté il n'y en a pas. Écoute, délire de l'artiste, c'est pas grave. Il y a un côté, il y a un petit bout doré, je sais pas si vous voyez. Ici, il y a du doré, ici il n'y en a pas. Il n'y a que vous et nous qui le savons, d'accord? Le reste de la planète ne le saura jamais. Ensuite, toujours dans les boucles d'oreilles dorées, j'ai trouvé ces anneaux. C'est trop joli. On dirait comme plein de petites perles carrées dans un anneau. C'est très irrégulier, très réflectif et tout. Et je trouve ça vraiment très très beau. C'est ça. Et autre anneau doré. Les trois paires, je pensais que ça allait être bien plus grand, mais non. Et celle-ci, j'aime bien l'appréciation qu'ils aient mis un petit truc pour protéger la tige. Alors là, c'est des anneaux aussi dorés, mais dorés mat. Et on dirait comme tressé plat. C'est très sympa, très beau. Et... Oh, ils sont tombés dans mon tiroir. Attendez. J'ai trouvé ces Huggies, mais ils sont trop jolis. Ils sont minuscules. Ce sont des petites boucles d'oreilles que vous portez soit au trou ici, soit ici. Mais je crois que je vais le porter dans mon deuxième trou. Elles sont mais arc-en-ciel magnifiques. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce fut. Ok, comme ça peut-être. C'est plein de petites pierres arc-en-ciel comme ça. C'est tout petit, magnifique. Je trouve ça d'une beauté. Et franchement, si on m'avait envoyé ça de chez Bubble Bar, j'aurais fait que ça aurait été Bubble Bar. Ça m'a coûté quoi, 8$. Bubble Bar vend les mêmes genre à 40$ US. Sans mentir. J'ai trouvé des toucans. Non mais ici on passe du coq au toucan. J'ai trouvé des toucans en petite pierre, des boucles d'oreilles encore une fois. Un autre délire. Et j'ai trouvé aussi ces ailes de papillon. L'histoire des papillons, ça commence à grandir en moi. Et c'est ça. Vous les portez dans chacune des oreilles et ça vous fait des ailes des deux côtés. Je trouve ça mais d'une beauté et d'une délicatesse. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Je trouve ça magnifique. Et... Ah ouais! Est-ce que j'ai cassé? Je l'ai cassé. La dernière fois, j'ai fait la même chose. Il s'est cassé en deux. Bon, je vous montre le pas cassé. Ah! Où il est? Namou, tu pourras me le réparer? Attendez, j'arrive. Pas tout de suite, hein. Tu peux attendre. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Faudra coller la boucle d'oreille. Encore? Ouais, c'est cassé. Je te donnerai celle-ci en exemple pour que tu puisses voir.
Merci beaucoup. Poupou. Oh oui. Donc c'est ça, elles sont trop jolies. Ça donne genre un truc comme ça, c'est une frange ici. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fini moi. Hein? J'ai pas fini, vous faites du bruit. Je vais juste prendre un verre d'eau. Il y en a dans le frigo. Oui, pardon. Ça c'est en bois, ça c'est une perle. Voilà, je trouvais que c'était très joli, très original. Donc je vais recoller la partie qui est tombée, ça m'arrive des fois. C'est la boulette. Pierre Richard, je vous l'avais dit, hein, j'ai pas menti. Voilà. Et celle-ci, j'avais pris la peine de les ouvrir avant de filmer, mais ça s'est tout refermé. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi comment c'est brillant. Moi, je m'attends toujours à ce que ce soit des espèces de trucs en acrylique, plastoc et tout, mais en fait, non, c'est toujours en verre, super réflectif et tout, mais vraiment. Je suis toujours super surprise, intriguée par les boucles d'oreilles. J'ai chimie, je les adore. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur-là. C'est une couleur, on dirait que c'est comme une espèce de quartz, une espèce de citrine en termes de couleur. Hein. Et il y a une espèce de gris au milieu. Je trouvais que la couleur story était vraiment très, très, très chouette. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs d'autres trios comme ça. Je vais aller voir tout de suite après. Voilà! C'était le haul, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est l'item que vous avez préféré. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère vous y voir. Est-ce que vous allez être là? Moi, oui.